Romain avait commencé. Je pense que pour les Nazas, c'est très très important de jamais oublier les accords 20 mai, parce que vous avez des vins très particuliers et ils devraient être mis en valeur avec la cuisine, et non seulement alsacienne, mais générale, surtout vos grandes coureurs, les sélections Grenoble et Vendage, qui ne devraient pas être jetées dans le ghetto de la fin du repas, mais on devrait commencer déjà en début du repas. On peut varier selon les millésimes, plus riches, moins riches, complexité, botrytis ou non, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je commence beaucoup de fois mes repas avec le Vendage tardif ou la sélection Grenoble. Et ça, c'est une chose que, avec tous les repas, les dîners de presse dont madame parlait, vous savez, à Bordeaux, ils ont le même problème. On fait les primeurs, on arrive au dîner le soir, ils ont le premier vin qu'ils te donnent à l'intérieur, c'est le champagne. Après, c'est pas un vin de Bordeaux. En plus, pire, ils ont tous les sauteurs, les bassacs, les pauvres, dans un coin, sur une table oubliée. Il faut aller la chercher. Et c'est faux. Et je dis, écoute, c'est vous qui deviez commencer avec ces liqueurs. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas commencer avec peut-être le 89, où il y avait la boutretisse, même sur le poteau de vigne et par terre, sur les voitures. Mais il y a des millésimes qui sont un peu plus légers, qui sont merveilleux pour commencer. Et c'est ça, il faut construire ce palais dans le peu. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Et si nous, et je vais dire nous parce que je me sens adossé en horaire, si on ne commence pas nous à faire boire ces liquoreux au début, ou même pendant le repas, parce qu'on peut le faire avec le poulet, le champignon, le girolle, c'est magnifique, les gambas, les coquilles Saint-Jacques, si on ne fait pas ça nous, on va perdre cette spécialité alsacienne qui est vraiment unique. Donc il ne faut jamais les laisser à la fin du repas. Et c'est vous qui vous deviez. Et les gars, là, mes confrères qui savent tout, les pauvres, ils vont commencer à dire, mais non, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, vous dites non, vous commencez comme ça. Vous taisiez et vous voyez si ça marche. Et ils vont voir que ça marche.